Le sous-officier de la 10e région militaire arrêté au Rwanda par les éléments de la police d'immigration rwandaise vient d'être relâché. Le sergent-major Lusakala Adrien a été déposé par un motard à la petite barrière à quelques mètres près de la frontière rwandaise. C'est alors que la police rwandaise l'a arrêté pendant 24 heures sans aucun motif valable, affirment des sources sûres. Pour l'immigration rwandaise, ce sergent ne devrait pas se retrouver dans ce rayon avec ses armes. Après intervention du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, le sergent a regagné la RDC. Le commandant ad intérim du mécanisme conjoint explique qu'il fallait une diplomatie pour le libérer. Le colonel Léon Maungu. Moi, je ne vais pas employer les gros mots, c'est une affaire qui est très complexe. La partie rwandaise a employé les mots qu'il fallait. Nous avons pris ça en compte. La RDC a expliqué les faits tels que ça s'est passé. Nous avons fait une synthèse qui nous a permis de demander, d'exprimer une requête à la partie rwandaise pour libérer le gars. Et finalement, ils ont accédé à la requête. Pour le commandant de l'unité de réaction, le colonel Mamadou Ndala, le pire vient d'être évité. Le comité provincial de sécurité, conduit par le vice-gouverneur Felelu Taïtiroua, qui a accueilli les sergents Lusakala à la Grande Barrière, n'a pas manqué de saluer cette intervention de la CIRGL.